D'autres États jouent avec brutalité le rôle des gendarmes ou des gardes-frontières au profit des mêmes pays européens qui leur donnent des miettes pour empêcher leurs frères de se déplacer au mépris des droits et des intérêts de leurs propres frères. Les institutions régionales et sous-régionales, dont le financement est négligé par leurs propres membres, survivent grâce aux fonds extérieurs et doivent donc obéir à ceux qui les payent. Elles sanctionnent leurs membres sous le diktat étranger, sous les injections d'une puissance néocoloniale. À force d'imiter leur maître, elles persistent dans le ridicule et mobilisent contre elles les peuples désormais éveillés. Dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays, le Mali, est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d'agression collective contre le Niger, sous les ordres à peine voilés de la France, en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest-africaine.